Moins cher. RTL 2. Bonjour à tous et bienvenue dans le Double Expresso. Excellent vendredi matin, c'est le 15 mars, RTL 2, 7h. The Cure, Aerosmith et Teddy Swims arrivent après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Je cite, la France est une force de paix. Emmanuel Macron a clarifié ses propos sur l'envoi de troupes en Ukraine hier soir. Le chef de l'État a assuré que Paris ne prendra pas l'initiative d'une offensive militaire contre la Russie. En revanche, dit-il, les Européens doivent être prêts à répondre à une escalade de Moscou. Si la situation devait se dégrader, nous serons prêts. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est attendu à Berlin. Il s'entretiendra justement avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre polonais Donald Tusk pour évoquer la question de l'aide à l'Ukraine. C'est dans ce contexte que les électeurs russes sont appelés à élire leur président à partir d'aujourd'hui. Le scrutin doit durer jusqu'à dimanche. Vladimir Poutine devrait remporter sans surprise un cinquième mandat. Un nouvel élément dans l'enquête sur la mort de Thomas. Cette adolescente de 16 ans avait été tuée il y a 4 mois lors d'une fête de village à Crépol dans la Drôme. 3 suspects qui avaient été arrêtés lundi ont été mis en examen hier pour homicide volontaire en bande organisée. Cela porte à 12 au total le nombre de personnes mises en examen dans ce dossier. L'auteur des coups de couteau, lui, n'a pas été identifié. Les députés ont validé hier le projet de loi contre la fast fashion, ces vêtements à prix cassé importés de l'étranger. Le texte prévoit notamment l'interdiction de la publicité pour promouvoir ces marques comme Shein, ainsi que la mise en place d'un malus environnemental. Il doit désormais être examiné par le Sénat. Les sports, ça passe de justesse pour Marseille en Ligue Europa. Hein. Et oui, l'OM s'est qualifié sur le fil pour les quarts de finale hier soir, malgré sa défaite 3-1 sur la pelouse des Espagnols de Villarreal. À l'aller, il l'avait emporté 4-0 au Vélodrome. Qualification également des Lillois pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Après leur nul un partout face aux Autrichiens de Sturm Graz. Les deux clubs ainsi que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions connaîtront aujourd'hui leurs adversaires pour le prochain tour lors des tirages au sort prévus à partir de midi au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Et puis en Ligue 1 enfin, coup d'envoi ce soir de la 26e journée à 21h. Toulouse qui est 11e du classement reçoit Lyon 10e. La météo et les températures ce matin, il fait 9 degrés à Chambéry, 10 à la Seyne-sur-Mer, 12 à Arras et à Fougères, 13 à Paris et Anglette. Aujourd'hui, le temps sera doux mais bien perturbé sur quasiment tout le pays. Dans la matinée, on attend des pluies faibles du sud-ouest aux Alpes du Nord. Il y aura aussi un risque d'averse sur la Bretagne et sur la Normandie. Le temps sera plus calme et plus lumineux sur les régions méditerranéennes, mais l'après-midi, l'instabilité va gagner les deux tiers nord du pays. Des pluies qui seront parfois orageuses accompagnées de grêles. Sur la moitié sud, le temps sera ensoleillé des Pyrénées au golfe du Lion, mais il y aura aussi un risque d'averse sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Pour les maximales, il est prévu 12 degrés au Touquet, il fera 13 à Crozon, 15 à Auxerre, 16 à Montluçon, 17 à Porto Vecchio et 19 à Saint-Gilles. Merci, à tout à l'heure, 7h30. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bon réveil sur RTL 2. C'est Lose Control sur RTL 2. That's what's going on. Tous les matins, le double expresso RTL 2, 6h-9h30. On est vendredi, bonjour à tous, c'est la mi-mars, on est le 15, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Julie Milly autour de la table, Jérémy en face de nous, Angelo au standard pour la banque. Banque au 74 900 jusqu'à 50 000 euros à gagner, Olex aux manettes pour l'accueil sur W9 et on salue Hugo également. Tu fais quoi pour Pâques le 1er avril prochain? C'est le week-end de mon anniversaire, donc je vais fêter mon anniversaire. Ah, voilà. Ah oui. Là c'est. T'es pas au courant? Je me rappelle jamais de la date de son anniversaire. 27 mars. Notez-le tous. 27 mars. Entre le 25 et le 30, je navigue. N'hésitez pas à me le souhaiter. Hein. J'ai une question grâce à kayak.fr. Quelle est, à votre avis, la destination préférée des Françaises et des Français pour le week-end de Pâques? On va dire un week-end de 4 jours. À votre avis, on va où? Lisbonne? Espagne? Non, alors dans le sud, mais pas l'Espagne. Italie? Oui, il y avait Italie et Portugal encore. Ils étaient deux. Oui, c'est Rome, la destination préférée, la capitale italienne. Week-end à Rome. Ah, c'est pas du tout. Comment tu fais le week-end à Rome? Week-end à Rome. C'est pas du tout. Si, c'est version Vanessa Paradis. Tous les 200 personnes. Elle le fait comme ça. Il y a un petit truc Vanessa Paradis là. Franchement, c'était pas mal. Meilleur compliment de ma vie. Attends. Vas-y, refais voir. Week-end à Rome. Ah oui? Tous les 200 personnes. Quand je ferme les yeux, je vois Vanessa Paradis. T'es sûr? Non. Envoie la musique, Jérémy, quand même. Si je ferme les yeux, effectivement, je vois. C'était vraiment très sympa. Non, c'est pas. Franchement, premier degré, un petit côté Vanessa Paradis. C'est pas la version de Dao, mais c'est ta version à toi. Oui, voilà. Voici Aerosmith, Crying, maintenant, sur RTL 2. Bonjour. So broken hearted,
love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. Was the killing kind? So listen. All I want is someone I can't resist. I know all I need to know about the way that I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Love is sweet, misery. Sur l'album Get a Grip, c'était Crying sur RTL2 à 7h10. Je vous propose un truc, si on parlait nourriture. Ah bah oui, ça fait moins 10 minutes. Ça fait longtemps, c'est un de nos sujets favoris. J'ai trouvé quels sont les plats de restauration rapide préférés des Français. Et vous allez me donner bien sûr les vôtres là dans 5 minutes. Ouais. Bah il y a une surprise ou... Bah tu verras, il veut toujours en savoir plus. Bien sûr, l'accent belge. Alors, c'est pas pourquoi le... C'était pas mal les paradis. Non, la Belgique est revenue là, il va en savoir plus celui-là. The Cure, Boys Don't Cry, ainsi sur W9 et RTL2. RTL2. €5 le café? Mais ça va pas la tête ou quoi les gars? Non mais ils ont complètement craqué en fait, les mecs sont malades, ils vivent dans un autre monde. Ils sont... Ah oui, 5 € pour tout ça en fait. Ah bah oui, ils sont malades, pardon. 5 € le café, avec un burger au choix, frites et boissons. C'est ça le menu bon et pas cher. Burger King. Envie de s'évader et de vivre pleinement l'instant? De s'accorder un peu de légèreté. Avec la nouvelle Toyota Yaris hybride. Roulez selon vos envies. Chaque plaisir compte. Portes ouvertes ce week-end. Quando l'anno, il giorno, l'ora in cui
C'est important les détails. Et c'est ce qui rend les vacances chez Yellow Village inoubliables. Yellow Village, artisan du bonheur. Innovation anti-rides, Dr Pierre Rico. L'efficacité de l'acide hyaluronique pur et du Galanga Bio. Dès 7 jours, vos rides même profondes sont réduites de 31%. Commandez sur rico.com. Le futur de la banque, c'est de pouvoir obtenir une réponse à sa demande de crédit en quelques minutes. Et message à nos amis banquiers, bon courage pour suivre le rythme. Téléchargez l'application Revolut dès maintenant. Coucou papa. Coucou ma puce. Tu ne devineras jamais qui a été sélectionné pour une compète. C'est moi. Tu ne devineras jamais qui a mangé toute ta droite ce midi. Tu ne devineras jamais qui a encore gagné aujourd'hui. Et ben toi, tu devineras jamais qui va manger la même dorade que toi. Coucou championne, félicitations pour ta médaille. La dorade à 3 euros, chez Carrefour et aussi au village des athlètes de Paris 2024. On a tous droit au meilleur. Énorme drakkar qui sort de l'eau. Et même que les vikings, eh ben ils étaient déjà dessus. On va vous prendre pour un fou. Puis du fou, billet des 35 euros. Un pare-brise à remplacer ? Pour être certain d'avoir l'expertise de Carglass, le vrai, tapez bien dans la barre d'adresse www.carglass.fr. Et là, vous êtes sur le site officiel de Carglass. Pour être sûr, vérifiez qu'il y a bien notre logo ici. Cliquez sur « Prendre rendez-vous » en 3 minutes sur carglass.fr, c'est fait ! N'oubliez pas, carglass.fr. Carglass remplace. À combien je vais pouvoir vendre ma maison, moi ? Bon, si je marque, je la vends plus de 300 000. Allez ! Ah, presque panier. En ce moment, profitez d'une estimation à votre domicile offerte. Orpi, l'esprit coopératif, ça change l'immobilier. Et si les lunettes permettaient de contempler une autre réalité ? Chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire. Et nos bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. La lune est libre, je crois. Rayonne au-dessus, rayonne au-dessus des toits, la lune est libre, y'a plus de compte de droit, elle fluctue de ça et là. Réservez sur l'appli hôtel.com et trouvez l'endroit parfait pour vous. M&M's Crispy, pas besoin d'en dire plus. Chez Monabank, quand on aime, on compte pas. Quels que soient vos revenus, nos conseillers vous répondent sans limite de temps. Vous accorder du temps et vous offrir jusqu'à 160 euros à l'ouverture de votre compte, c'est ça, mettre les gens avant l'argent. Monabank, les gens avant l'argent. La vie est plus intense quand on prend les bonnes décisions. Avec Ford Puma Hybride 85, le SUV malin et économique, faites des économies à chaque plein de super éthanol 85 pour profiter de chaque moment. Et en mars, bénéficiez en plus d'un crédit auto 0%. Portes ouvertes ce week-end, ouverture selon autorisation. C'est moi, ils font leurs vacances sans nous, là. Bah c'est simple, depuis qu'on est arrivé chez Pierre et Vacances, ils me calculent plus. Moi c'est pareil, la semaine dernière on passait nos journées ensemble et là c'est terminé. En plus il passe tout son temps avec l'autre là. Puis il nous laisse par terre quoi, il y a vraiment plus de respect. Bonjour à tous et bon vendredi matin. Courage, le week-end approche, il est 7h17. Petit tour de table rapide. Ceux qui se font livrer chez eux, quels sont vos plats favoris quand vous faites livrer ? Pizza, je fais pas livrer, donc de temps en temps une pizza. Mais sushi, non, mais sushi. Je vais pas inventer un. Oui. Ah, y en a tellement, je dirais les burgers. Les burgers, ok. Ah ouais. Donc pizza, ah ouais. Burger. Eh bien, l'étude Speak Snacking 2024 a révélé récemment quels sont les plats de restauration rapide préférés des Français. Allez. Vous savez à quel point j'aime le suspense. C'est parti pour le top 10. De la 10e à la 6e place, assez classique, le wrap est devancé par le croque-monsieur. À la 8e place, on a les crêpes galettes devant le panini et la salade occupe la 6e place. Mais c'est vraiment livrer un panini et un wrap ? Bah bien sûr, j'ai déjà fait moi. Incroyablement boring.
Qu'est-ce que t'as pas Bah quand j'essaie de manger un peu sain, wrap. Oh bah wrap. Wrap. Ah oh, je mets plein de sauce. Bah non, wrap sous mon salade, très sain. Hein. À la cinquième place, on retrouve les plats traditionnels. À quatrième, le sandwich. Je suis même pas sur le podium. Mais attends, pardon, excuse-moi, mais juge. On se fait vraiment livrer des sandwichs? Bah oui. Bah oui. Il y a des boulangers à tous les coins de rue en France. Troisième place pour qui? Pour le kebab, qui compte 29% des voix. C'est 20 points de plus qu'en 2022. Et pour les deux premières places, pas de changement par rapport aux années précédentes. Alors Greg, Jérémy, burger, pizza. C'est familial. Voilà, tu fais livrer une grosse pizza. Mais il n'y a pas de sushi? En fait, le grand perdant de ce classement, c'est le sushi. Il était 3e l'année dernière et il est 14e aujourd'hui. Ah ouais, c'est bon. Bah ouais, c'est cher en même temps, les sushis. Ouais. Et dernière info, il a été demandé aux Français combien ils étaient prêts à dépenser pour chaque plat. Alors pour la pizza, c'est 13,25€ en moyenne. Le burger, 10,50€ et le kebab, 9,20€. Ah, mais là, c'est la formule, hein, 9,20€. Là, il me faut les frites, il me faut le dessert et il me faut la boisson. Ça a augmenté le kebab. Ah ouais, parce que le grec, c'était 5 balles. Ouais, hein. J'avoue, c'est formule tout compris. C'est du 5 balles. Hein. Oui, c'est 17. C'est l'intérêt de l'imparfait, Jérém. Ouais, je comprends pas. Ouais, s'embête pas. Bah, envoie The Cure et Boys Don't Cry sur RTL2. Fatigue. Boys Don't Cry sur RTL. De bon réveil à tous, il est 7h21. 7h21, on y va pour l'horoscope, Greg. Avec, alors, il a fait renverser son café. J'ai renversé mon café partout. Alors, sa feuille, je ne sais pas ce que tu vas voir dessus. Je vais me faire engueuler en plus. Ah, bah oui, parce qu'il n'y a pas le droit au café dans le studio. Là, je me suis fait gauler. Allez, médaille de bronze, mon Greg, je précise aux équipes techniques et à la direction que rien n'a été.